Ces femmes sont toutes vaccinées, mais aujourd'hui elles s'interrogent sur la vaccination contre le Covid-19 de leurs enfants. Le vaccin, à partir de quel âge? Un adolescent atteint de schizophrénie peut-il se faire vacciner? Ou encore, le vaccin a-t-il un impact sur les menstruations? Ce sont des questions qu'elles ont eu l'occasion de poser à un médecin en direct. J'ai appris des choses qui sont intéressantes parce que les femmes, ils ont toujours peur que leurs filles, surtout les filles, qui ne puissent pas avoir d'enfants s'ils font le vaccin. Mais le docteur, il a bien expliqué. Aller à la rencontre des différents publics, pour ce médecin, c'est d'une importance capitale. Tout ce qui est vaccino-hésitant, ben on va souvent les déshumaniser. On va souvent les présenter comme étant un groupe qui va à l'opposé de la santé publique. Mais en fait, quand on va à la rencontre de ces gens, ben on se rend compte qu'il y a beaucoup de craintes qui sont quand même légitimes. Et il y a vraiment cette nécessité d'aller au contact avec les gens parce qu'ils utilisent des canaux d'information qui ne sont pas forcément ceux qu'on utiliserait traditionnellement ou que les administrations, les institutions vont utiliser. Dans cette maison de quartier pour l'émancipation des femmes à Molenbeek, 130 femmes sont inscrites et toutes sont vaccinées. La SBL s'adapte donc. Aujourd'hui, elle a pour but de faire des formations sur mesure pour répondre à la demande de ses membres. On s'est rendu compte que la chose qui s'en vaut le plus, c'est presque faire des formations à la taille. Ça, on l'a fait pour les jeunes. On l'a fait pour les hommes, car on a aussi maison d'hommes, et on l'a fait aussi pour les femmes. Et donc chaque groupe a des questions bien précises où il faut répondre d'une façon aussi très précise. Suite à cette sensibilisation, un vaccibus de la COCOM sera présent demain à 14h dans le quartier Sainte-Thelette, à Molenbeek, pour toute personne qui souhaite se faire vacciner.